Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver ici à Grodig pour le sixième match amical de l'été rouge et noir. Ce samedi, le gym rencontre Dak, troisième du dernier championnat slovaque. À Grodig, en Autriche, la rencontre débutera à 17h dans 5 petites minutes. Et avant cette rencontre ne débute, nous sommes allés voir Alexis Claude-Maurice qui sera titulaire dans le 11 de départ rouge et noir pour qu'il nous livre ses impressions avant ce test amical. Bah du coup Alexis, on est arrivé au stade, tu peux me dire un petit peu comment tu te sens toi? Bah je me sens plutôt bien. Là on est à 1h30 à peu près du match, donc on attend que ça commence, on va bien se préparer. C'est compliqué d'affronter une équipe qu'on connaît pas forcément? Oui et non, parce que eux ils nous connaissent pas aussi, donc ça revient au même. Et ça va nous poser des problèmes qu'on connaît pas vu qu'on connaît pas leurs caractéristiques. Donc c'est plutôt bien. Et c'est une bonne façon de nous entraîner et de nous rapprocher de notre objectif. Ouais, tu penses quoi un peu du petit stade là? Franchement, moi j'aime bien la vue. Je sais pas si vous pouvez voir, mais la montagne à côté, c'est vraiment beau. Non, franchement, j'aime bien. Bon, on va montrer ça aux gens alors. Ouais, il faut profiter. Merci Alexis. Voilà Alexis qui nous a livré ses impressions et qui nous permet de lever le voile sur la composition de départ de l'OGC Nice. Alors dans les buts, Walter Benitez, le rock argentin. À droite, Youssef Attal. À gauche, Hassan Camara. Dans l'axe, la paire brésilienne Bambou Dante. Dante qui portera le brassard de capitaine, évidemment. Au milieu, Hicham Boudaoui et Pierre Lesmelou seront associés à Morgan Schneiderlin. Alexis Claude-Maurice et Misiane encadreront devant Amine Gouiri. Sur le banc prendront place Cardinal, Boulendi, Dani Luc, Pelmar, Pionnier, Ensoki, Thuram, Makengo, Silvrest, Brazao. Alors on rappelle pour cette rencontre, pour ceux qui n'ont pas suivi, que Casper Dolberg, Alexis Trouvier, Patrick Burner et Danilo sont indisponibles. Alors ils sont évidemment avec le groupe, car ce premier match augure une grosse semaine de stage en Autriche, la deuxième semaine de stage avant le début de la Ligue 1. Fraîchement arrivé de Séville, Ronny Lopez rejoindra lui le groupe en Autriche durant la semaine en raison d'un problème familial. Et pour le reste, les Aiglons sont là. On va en profiter également pour donner la composition de Dak. Dak, tombeur de l'OM, s'il faut le rappeler, samedi dernier, 2-1. Grâce notamment à un très beau coup franc de Zost Kalmar, qui est un peu la star, le capitaine de cette équipe de Dak, international hongrois. Très bon manieur de ballon au milieu du terrain. Alors c'est parti pour la composition de Dak. Dans les buts, Jedlica, Kuzliak, Davis, Müller, Blackman, Balic, Fabri, Kalmar avec le capitaine, avec le brassard de capitaine, Friede, Ramirez, Divkovic. Alors un adversaire au profil assez différent, quelques internationaux panaméens notamment, quelques bons joueurs de ballon venus de l'Est. Dak donc troisième du dernier championnat slovaque, très en forme. Il faut savoir qu'ils n'ont pas eu beaucoup de coupures et de répit entre la fin de leur championnat et le début de leur campagne amicale. Le championnat s'est terminé à la mi-juillet, le 11 pour être précis, et ils reprendront le championnat la semaine prochaine contre ces Reds. Ce sera donc leur ultime galop d'essai, leur ultime répétition, et donc le gym devra faire face avec application et motivation. Bon rappel pour le gym, sixième match amical de la préparation après des tests contre Lyon, Saint-Etienne, les deux clubs de Glasgow, les Rangers et le Celtic. Une première victoire donc intervenue la semaine dernière en Belgique, à Sclessin, sur le stade de Sclessin face au Standard. Derrière ce match-là, les Aiglons affronteront Salzbourg la semaine prochaine en clôture de leur stage autrichien. Ils auront également leur dernière répétition face à Rennes, à l'Allianz Riviera, dans une alliance qui sera à huis clos. Ils attaqueront la Ligue 1
face au Racing Club de Lens dans une très belle affiche. Alors on n'a pas encore la date précise. Tout ce qu'on sait, ce sera le week-end du 23 août. Et franchement, tout le monde a hâte que le football reprenne ses droits. Alors il ne faut pas se laisser abuser par ce contexte magnifique, ce décor magnifique de Grodig. Parce que derrière ce cadre champêtre, ces belles montagnes, il faut quand même admettre qu'il fait sacrément chaud ici. Donc les conditions de jeu sont bonnes, très bonnes. Mais la température est également très haute, donc il faudra bien s'hydrater du côté des acteurs. Alors que là, on est à une petite minute du coup d'envoi. Et que les 22 titulaires se trouvent dans le tunnel, voilà, dans le petit tunnel du stade de Grodig. Alors pour parler un peu de l'adversaire DAC, il faut savoir que c'est le club de la minorité hongroise de Slovaquie, un club du sud de la Slovaquie. Il se structure de plus en plus d'année en année, qui a terminé sur le podium les trois dernières saisons, qui ne s'est pas encore qualifié pour une Coupe d'Europe, qui a disputé des tours préliminaires, mais qui monte en puissance voilà, d'année en année, de saison en saison, alors que là, ça y est, l'équipe, cette fameuse équipe de DAC rentre sur le terrain. Donc oui, ils se sont un petit peu frottés au niveau européen, les Slovaques. L'été dernier, alors que bon là, la coupe, la C3, l'Europa League que le Gym disputera cette saison, l'édition 2019-2020 n'est pas encore achevée. Les Slovaques se sont fait sortir en tour préliminaire donc par l'Atromitos, un club grec. Alors que là, on voit, vous pouvez revoir sur l'écran la composition de départ du Gym. On va se la refaire en rapide parce que, au cas où vous nous rejoignez juste maintenant, c'est toujours bon d'attaquer avec tout. Les éléments, Benitez, Atal, Bambou, Dante, Camara, Schneiderlin, Boudaoui, Lesmelou, Claude Maurice, Goury, Miziane. On les voit rentrer sur le terrain. Voilà, alors protocole sanitaire oblige. Pas y avoir de... d'avant-match classique, normalement il ne devrait pas. Capitaine Dante, on est en train d'échanger avec Hassan Camara, Youssef Attal derrière. C'est une ligne de 4 que devra diriger l'expérimenté international brésilien. Alors il y a quand même un petit échange de fagnons au centre du terrain. Avant le coup d'envoi, on rappelle rapidement que nous avons appris une bien triste nouvelle hier soir avec la mort de Dominique Olanier, Bibiche. Je pense qu'il n'y a pas un supporter du Gym, il n'y a pas un niçois qui n'a pas eu mal au cœur, qui n'a pas vécu une immense tristesse en apprenant cette nouvelle. La rencontre d'aujourd'hui lui est dédiée et les Aiglons l'attaqueront avec un brassard noir. Repose en paix, Bibiche. Alors Pierre Lesmelou en grande discussion avec monsieur l'arbitre. C'est parti pour le sixième match amical de l'été rouge et noir. C'est Amine Gouiri qui jouera en pointe, qui donne le coup d'envoi. Allez, première transmission verticale de Dante pour Gouiri. Lesmelou, ça circule bien. Miziane qui est pris par l'arrière-garde slovaque. Mais qui se reprend bien à son tour. Et voilà. Et là, c'est un premier mouvement. Ballon en profondeur pour Amine Gouiri qui se présente seul devant le gardien. Et bien joué. Voilà, bien joué Amine. 1-0 pour le Gym. Alors, ça n'a pas traîné. Bien joué Amine Gouiri. Deux balles de Miziane. Récupération haute. En deux touches. L'ancien Lyonnais est alerté. Il s'échappe en pointe. Il se fait la belle. Et il ajuste le gardien slovaque. Jedlica. C'est une superbe entame des Aiglons. Une première minute de feu. Ah, il n'en aura pas fallu 50 à Amine Gouiri. Hein.
quelle entame des Aiglons. Et là, ils subissent un peu un pressing go, mais ils s'en sortent bien. Alors que là, c'est le premier mouvement offensif des Slovaques. Et ça repart pour les Aiglons avec Walter Benitez. Alors on a eu de petits problèmes de son, désolé, de petits problèmes de connexion avec sa Slovaquie. Le gym a doublé la mise, ce qui confirme cette superbe entame de match. Alors pendant que ce sont les Slovaques qui tentent de faire un pressing go après ces deux banderies niçoises, on précise sur le deuxième but, car nous avions des problèmes de liaison, et une petite combinaison Miziane-Guiri et Miziane qui était à la conclusion d'un très bon mouvement. Les deux anciens Lyonnais qui se connaissent bien, hein, qui ont été en formation ensemble, qui ont des automatismes et qui forment une très belle paire. Alors que là, on voit les Slovaques, un peu piqués les Slovaques, qui tentent de mettre la pression sur le gym. Le gym, des positions, est en bloc bas. Et voilà, Claude Maurice qui récupère, qui s'oriente. Ah, ils ont été piqués les Slovaques là. Ils tentent un peu de prendre le jeu à leur compte. Et les Aiglons, c'est presque du 4-5-1 avec 3 milieux presque à plat sur les phases défensives. C'est bien en place, tout le monde est dans la deuxième partie, dans sa partie de terrain. Ça coulisse, ça travaille, pour l'instant c'est sérieux. Et là, le gym défend. Voilà. Et on voit, c'est. À chaque fois, il y a un milieu de terrain qui sort du milieu pour aller défendre presque en 4-4-2. Avec des lignes
Bien serré, pas trop espacé, c'est très bien. Alors une petite faute sifflée à l'encontre de Bambou. Voilà Bambou qui a voulu éviter que son adversaire s'échappe. Donc on va pas parler de faute utile. Ce serait contraire à l'esprit de fair play, mais disons que qu'il fallait la faire pour pas être pris. Voilà. Alors que là, Dak garde le ballon, fait tourner, fait courir. Ah, le voilà, le Calmar, le fameux capitaine, celui dont je vous parlais au début du match. Le danger principal. Dak a tenté d'alerter son coéquipier. Le très remuant Divković, l'ailier croate. Heureusement qu'il a manqué un petit peu de précision, on va dire, sur sa prise de balle. Alors que là, Amine qui résiste bien. Qui garde le ballon. Et là, c'est le Jim qui repose le pied sur le cuir. Alors là, ça combine pour sortir Hassan Kamara. Alors sans s'affoler, sans perdre leurs moyens, les Aiglons ont laissé passer, on va dire, les velléités slovaques et là reprennent progressivement le jeu à leur compte, un jeu qu'ils maîtrisent en ce début de rencontre. Allez, c'est parti. Avec une bonne opportunité là pour les Aiglons. Une belle frappe, un arrêt du portier
Slovaque. Et un corner à suivre. Allez, les costauds sont montés. Il y a de la taille dans la... Ils ont mis le pinceau là, les Slovaques. C'est Alexis Claude Maurice, je crois, qui reste à terre. Et Bambou Danté. Pour l'instant, les costauds de la défense sont revenus. Et on rappelle que le gym mène 2-0 grâce à une entame de match de feu. Début d'Amin Gouiri et Mizian Maolida. Alors, accepte Kermes Melou à la baguette. Attal, Schneiderlin, ça combine bien au milieu de terrain. Ah, ça combine, laisse Melou. Amin Gouiri qui va botter le corner. Poteau dégagé. Il y a une bonne opportunité à jouer pour les Aiglons encore. On se précipite pas, on veut pas la perdre, on ressort, on fait tourner. Avec Youssef Attal, ben voilà, s'il faut repasser par Walter Benitez pour conserver le cuir et attaquer, placer. C'est cette option qu'ont choisi les Aiglons. Ouais, ça s'écoule bien. Mizian qui dédouble avec Youssef Attal. Et qui prend son temps, voilà, il y a de la conservation, on se précipite pas. Alors le Gilma cherche à déplacer le bloc slovaque. Le meilleur moyen de trouver la faille. On sent quand même que les Aiglons sont nettement montés en puissance, notamment physiquement. Du coup, ça se ressent dans leur transmission et il y a beaucoup de fraîcheur. C'est Hassan Kamara. Chaleur, nouvelle chaleur sur la cage de Jedlika. Là, cette fois, c'est un défenseur. C'est Yannick Muller qui dégage devant son but. Mais il y a encore les Aiglons qui essayent peu à peu leur domination. Là, c'est Amin Gouiri, l'on sent très très en jambes, très véloce, qui prend la balle et qui s'empare du corner. Belle tête. Belle tête du capitaine, si je ne m'abuse, Danté. Au niveau de la conservation, là on voit que c'est le gym qui griffe vraiment cette rencontre. Alors on rappelle, on dit qu'on voyait du mieux, on rappelle que le championnat reprendra le week-end du 23 août. Et donc logiquement, les Aiglons montent en régime au fil des semaines. Une position de hors-jeu. Il va permettre à Dag de se dégager. Parler de l'adversaire, un DAC rapidement qui a deux joueurs qui ont configuré dans le 11 type de la première division slovaque la saison dernière. Le capitaine Kalmar et le latéral gauche Eric Davis, international panaméen. Donc là, ça relance court, les Aiglons cherchent à repartir de leur base. Alors désormais, il me semble que la connexion soit rétablie, donc normalement tout sera synchro. On s'excuse
Les petits décalages ont entraîné quelques désagréments, mais voilà, là normalement tout est bien. L'Autriche nous sourit et on va passer la fin du match ensemble, la suite de la rencontre ensemble. Alors là, c'est Alexis Claude Maurice qui se met à la faute et Dak qui repart. Camara, Lesmelou. La perte de... Oh, grosse parade de Benitez. Allez, on va dire, c'est un bon pressing d'aller Slovaque. Du coup, ça a combiné. Il y a eu quelques difficultés de transmission entre Camara et Lesmelou. Bon pressing. Belle frappe et belle parade. Benitez toujours au rendez-vous. Alors là, cette fois, il y a des espaces qui sont libérés. Avec Schneiderlin très disponible dans l'entrejeu qui alerte Lesmelou. Qui va aller travailler de l'autre côté avec Mizian. Lesmelou. Et il a tenté de la petite spéciale, Pierre. Il en a mis deux, notamment la saison passée. De cette position, à peu près, de cet angle, de cette petite enroulée. Mais cette fois, ça frappe à fuir le cadre. Et on voit que les Aiglons se positionnent très haut. Hein. Ils n'ont pas envie de se laisser dicter la marche à suivre par leurs adversaires. Et là, ça va presser directement. Ça oblige à jouer long. Et après, c'est de la bagarre. Hein. Voilà, c'est denté. Les deux solides brésiliens derrière qui doivent gérer. Ah, c'est bien, ça combine devant, ça va vite. Attention, Mizi. Ah, on voit que Mizian et Amine Gouiri se trouvent les yeux fermés. Alors cette fois, c'est le numéro 7 qui filait encore une fois au but. Dans un bis repetita à peu près du mouvement ayant abouti à la deuxième réalisation de la journée. Mais l'arbitre assistant a levé son drapeau, signalant une position de hors-jeu. Alors là, ce sont les Slovaques qui repartent. Et on voit Attal qui couvre bien Bambou, qui part au duel. Et après, c'est du petit jeu, voilà, petits espaces. Ça va chercher de l'autre côté. Avec Hassan Camara. On a entendu Dante, solo à Gouiri. Attal, elle est au contre, elle va le prendre, Youssef. Temporise, il prend un relais. Et non, Claude Maurice finalement. Avec Hicham Boudaoui, l'autre international algérien. Ah, Youssef qui perd le ballon. Il fournit un bel effort derrière pour se replacer, pour se remettre en position. Là, ça presse. Eh oui, là, ça presse. Ça presse les ballons récupérés. Combinaison. Ça presse aussi, ils veulent pas laisser respirer les Slovaques. Ils obtiennent une touche. Bon, alors le gym dans cette première demi-heure est très bien en place. On sent surtout une volonté de jouer vite. Contrôle, passe, d'avoir des transmissions rapides. Il y a de la précision, il y a de la fraîcheur. Donc forcément, le gym domine. C'est dangereux, mais c'est bien joué de la part de Dak. Ça repart vers l'avant. Un renversement de jeu avec ce fameux Davis. Une longue quille. Il y a des fois, il faut pas s'embarrasser. Bien joué, il me semble que c'est Robson Bambou qui a envoyé une longue.
Alors là, bien joué. Elle a peut-être un tout petit temps de retard, mais après une bonne récupération haute, il fallait mettre de la vitesse, alors que là ce sont les Slovaques qui se portaient à l'avant, vers l'avant. Et bon, Mouki lâche pas, qui lâche pas son duel. Forcément, quand les chevilles sont mordues et quand les chevilles adverses sentent la présence des défenseurs niçois collés à leur basque, ça impose une pression sur l'adversaire. Et du coup, sous pression, les ballons sont plus chauds et les pieds peuvent trembler. Voilà. Dante, Benitez, Bambou, trio sud-américain, attention. Là, et une bonne phase de pressing slovaque. C'est fatal. Boudaoui, Bambou. Et une bonne touche pour les Aiglons. Alors on connaît la volonté du coach Vera de repartir proprement de derrière. Enfin, que les actions se lancent vraiment une fois sorties du pressing, du premier pressing. Que les espaces se libèrent pour les offensifs. Alors que là, évidemment, c'est normal. La première pause fraîcheur de la rencontre. On vous a dit qu'il faisait très très chaud ici à Grodzig. Au bout de 23 minutes, allez, un petit peu moins de 25 minutes, les Aiglons mènent 2-0 grâce à des réalisations de Guiri et Mizian. Et franchement, la première demi-heure est nettement à leur avantage. Hein. On a dit beaucoup de fraîcheur, beaucoup l'envie de vite la transmettre, de vite la demander. Les duels sont niçois. Alors qu'il y a même un petit peu d'arrosage, eh oui. Histoire d'accélérer les transmissions, on va noter aussi que Morgan Schneiderlin, pour sa deuxième titularisation avec le gym, fait du bien, il apporte ce qu'on attend, de la simplicité, de l'agressivité. Puis fluidifie un peu la partition niçoise. On va rappeler que l'adversaire en face, Dak, troisième du dernier championnat slovaque, a battu l'OM la semaine dernière et c'est... Il est à une semaine de la reprise de son championnat, donc ils sont pas là pour s'amuser, ils sont vraiment là pour jouer. Mais pour l'instant, les Aiglons ne laissent pas respirer. Entre l'état d'esprit, puis au-delà d'état d'esprit, entre l'envie de jouer, l'envie d'aller vite, l'envie de se projeter, l'envie de défendre ensemble. Là, c'est un groupe, on avait vu du mieux, on voit du mieux semaine après semaine. Là, c'est clairement bien, c'est une bonne première demi-heure. On en profite pour rappeler que Ronny Lopez est absent pour des raisons familiales. Il rejoindra le groupe, la dernière recrue du gym, lors de ce stage autrichien. Ce stage autrichien qui, après une semaine de travail, s'annonce un peu solide, se conclura par une deuxième opposition amicale contre le Red Bull Salzbourg. Alors là, les 22 acteurs reprennent, le jeu reprend. Par une touche, le ballon dans les mains de Youssef Attal. Youssef Attal qui a déclaré cette semaine sur Ogenesis.com qu'il se sentait bien, voilà, qu'il était remis d'une blessure, de sa blessure au ménisque, l'ayant éloigné des terrains 6 mois la saison passée, qu'il monte en puissance. On voit que physiquement aussi, au niveau du gabarit, il a beaucoup travaillé, Youssef. Et ça se voit, voilà, ça se sent, on le sent en forme, on le sent heureux, on le sent en jambes. Et du coup, quand Youssef est aux jambes, le gym sourit et le gym en profite. Là, vous pouvez voir que les lignes niçoises sont bien marquées, sont bien distinctes, sont bien proches. Du coup, et forcément, du coup, ça défend bien. Alors Dak renverse le jeu. Ça manque un peu de précision. Eh oui, ça, forcément, ça oblige. Quand défensivement, il y a de la rigueur, il y a de la discipline comme ça, ça oblige l'adversaire, peu importe l'adversaire, à prendre des risques techniques. Et si ces risques ne sont pas payants, bah c'est le
C'est-à-dire que les efforts niçois paient. Et voilà, on voit encore une fois. Alors là, ces fameux petits espaces dont on parle. Là, il faut s'en sortir. Voilà, Youssef s'en sort sur un crochet. Attal, un relais avec Todd Maurice. Et attention là, sur ces phases-là, sur ces pertes de balles, il faut vite se remobiliser. C'est le cas. On entend souvent parler un néologisme, on va un peu dire, de contre-effort. Ce contre-effort, il est important. Parce que sur toutes ces transitions, sur tous ces efforts, sur toutes ces phases, il y a danger. Voilà, quand le ballon est perdu en phase offensive, on l'a vu notamment face aux Rangers, il y a automatiquement danger pour les Aiglons et pour n'importe quelle équipe de la planète foot. Alors la corner pour les Slovaques. Et c'est bien dégagé. On entend Benitez qui exhorte tout le monde, qui exhorte les troupes à sortir. Voilà, ça se remobilise bien. Et du coup, voilà, ils ont cherché à jouer long. Notamment par l'intermédiaire de Frideux. Mais ça a manqué de précision. Frideux, milieu de terrain formé au Hertha Berlin, hein, passé par Mouscron aussi. Et voilà, on voit quand ça décroche bien, il y a des. Amine Gouiri fait beaucoup, beaucoup de bien là devant, hein, par ses décrochages, par ses orientations. Il permet au jeu de respirer, on va dire. Et là, Youssef qui a été repris. Et c'est reparti pour les Slovaques. Et voilà, bon bout, avec Benitez derrière, pas de risque. Oui, je parlais d'Amin Gouiri, formé à Lyon, on sait qu'il a été formé en pointe, qui peut aussi jouer sur tous les postes offensifs. Mais là, on sent que clairement, par sa capacité à rentrer dans le cœur du jeu pour solliciter des relais, par sa précision technique, bah, il permet au jeu collectif et un peu à la partition niçoise de s'exprimer avec justesse. Puis il travaille beaucoup Amin aussi, Gouiri, notamment défensivement, c'est le premier défenseur. Donc là, c'est une très très bonne demi-heure à son actif. Demi-heure, on va dire, qui s'est bien lancé par sa première réalisation en rouge et noir. Là, ça repart, ça explose. Une belle récupération haute, une récupération basse des Niçois. Ah, dommage, là, il a été un petit peu pris, Gouiri. On parlait des pertes de balles offensives. Bah, là, on a eu un exemple par Dak. Il a manqué un tout petit peu de justesse dans la reprise de dribble de Gouiri, mais clairement là les Aiglons ont récupéré bas et ont attaqué vite. Ouais, bien joué Dante. Voilà, ça ressort. Et là maintenant c'est là que les espaces, une fois que cette première phase de pressing est passée, c'est là que maintenant il faut mettre de la vitesse avec Youssef Attal. Voilà, regardez, ça c'est intéressant, ça c'est important. Ballon perdu. Tout le monde se regroupe, tout le monde se met en place. Derrière le ballon. Chose importante. Et du coup, ça défend, voilà, ça défend en avançant. Et le gym oblige son adversaire, Dak, à reculer. Et à patienter pour trouver des espaces. Et forcément, quand les espaces sont fermés, quand ça coulisse bien, quand les portes sont closes, ça oblige l'adversaire à allonger, ça oblige les Slovaques à chercher dans le dos de la défense azuréenne, ce qui pour l'heure ils ne parviennent pas à faire. Alors voilà. Et là ça bascule. Schneiderlin pour Claude Maurice au cœur du jeu. On le voit comme Morgan vient s'intercaler comme ça entre les deux défenseurs. Il a cette faculté à casser des lignes, que ce soit Schneiderlin, que ce soit Yasmin, il a cette faculté à voir vite, à voir juste et à casser des lignes. Et là, c'est Claude Maurice qui quitte le couloir noir pour entrer au cœur du jeu et pour offrir des solutions. Ça, c'est évidemment travaillé. Et voilà, là, cette phase, combinaison entre les deux internationaux algériens. Et Youssef qui manque un petit peu de justesse encore dans cette passe et du coup.
Du coup, c'est Dak qui attaque. Encore une fois, bonne coordination entre les efforts de Dante et de Chénéderlin. Ouais, ouais, ça joue vite, ça joue à une touche. Et du coup, là. L'arbitre lève à nouveau son drapeau. On voit qu'il y a de l'espace là-bas dans le dos du latéral droit slovaque. Alors après avoir attaqué le gym défend, voilà encore. Travaille bien en groupe. Ça repart et là il va y avoir un bon mouvement à jouer. Voilà, les Gédéblons sont en supériorité numérique. C'est du 4 contre 3. Ah bien joué, ça combine bien. Ballon à Claude Maurice. Et c'est le troisième but pour le gym. Quelle action, quel mouvement, quelle vitesse. On en parlait juste avant. Quand les Aiglons sont en place, quand les récupérations se font bien, s'effectuent bien, quand cette première touche après récupération permet de sortir du premier pressing adverse, il y a forcément des espaces, il y a forcément des coups à jouer. Et là, on pensait qu'avec Misiane, comme Misiane a un peu trébuché, on pensait que le ballon était perdu. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu des bons relais en une, deux touches maximum. De la gauche vers la droite, le ballon est arrivé à Alexis Claude Maurice qui, lui aussi, inscrit son premier but de la prépa. 3-0 pour les Aiglons. Les Aiglons qui font tout avec sérieux, voilà, avec sérieux, avec vitesse, avec application, forcément. Ça se matérialise au score, ils ont aussi de la justesse dans le dernier geste. Pour l'instant, c'est un très bon samedi après-midi que nous passons tous ensemble. Sous la chaleur de Grodzik, sous la chaleur autrichienne. Les Slovaques ont pris peut-être un petit coup de marteau sur le casque là. C'est vrai qu'à chaque fois qu'ils essayent de se projeter vers l'avant, ils sont piqués. Et là, on repart sur des aspects défensifs, sur des phases défensives. Ou encore une fois, regardez les efforts, on les voit bien là. Les efforts que fait chaque Aiglon pour être derrière le ballon, notamment le premier rideau. Là, c'est Hassan Camara après qui est au duel. Ça ferme bien à deux tours avec Les Melou. Et voilà, c'est une bonne récupération pour le gym. Alors, on voit qu'il y a de la complicité. Il y a des automatismes entre Pierre Les Melou, Hassan Camara, pas seulement. Sur les phases offensives, on voit bien que là, quand un sort, l'autre couvre et vice-versa. On l'a vu tout à l'heure avec Robson Bambou et Youssef Attal, quand le Brésilien qui aime le duel, qui aime s'asticoter un peu avec ses adversaires, part au duel, part à la bagarre. Youssef ferme bien derrière lui. San Camara à la remise en jeu. Là qu'il faut se sortir, il faut aller voir ailleurs. C'est fait. Camara pour Attal, et là Youssef il a du champ devant lui. Et là ça combine bien. Ça décroche encore une fois au cœur du jeu. Schneiderlin, une touche, deux touches. Ah, dommage. Un Boudaoui qui a manqué son contrôle, mais globalement il y a beaucoup de mouvements offensifs. Hein. On voit Hicham Boudaoui qui va à droite, du coup au cœur du jeu, c'est Claude Maurice qui vient fermer au milieu.
Et là c'est reparti avec Hicham Boudaoui qui s'oriente rapidement vers l'avant, qui trouve avec Cyclone Maurice. Là il va y avoir un bon coup à jouer, encore un duel à jouer avec Cyclone Maurice. Il va aller le chercher et ça passe, il pique dans l'axe. Trouve avec Amin Gouiri, défenseur qui intercepte. Et alors là attention, là il y a une phase offensive, un mouvement offensif côté Slovaque, c'est le gym qui est en infériorité numérique. Dak attaque. Ah, sur le côté. Sur le côté, ça a mis un peu plus de temps. Là, ça commence aussi à tirer un petit peu. Côté niçois, heureusement. Le troisième du dernier championnat slovaque a manqué un peu de promptitude dans son enchaînement. Il a un peu tergiversé. Notamment Kalmar. Ça a permis au bloc de se reconstituer. Et au final, ça s'est achevé par une frappe au-dessus de Divković, si je ne m'abuse. Schneiderlin, il est à l'aise, hein, il est à la baguette. Morgan est déjà dans ses petits souliers au milieu. C'est lui qui donne le tempo. Alors là, c'est bon, très bon ballon. Claude Maurice pour Gouiri. Bien repris par un tacle fougueux, mais régulier. Il pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes, Gouiri. Là, Youssef Attal qui est monté pour la touche. Attention à ne pas se retrouver hors jeu sur ce genre de situation. Bien joué. On sait que quand on fait une touche et que le ballon est remis, il faut vite vite se repositionner. Et là, ils ne se sont pas fait piéger, les Aiglons, Youssef non plus. Et c'est un bon corner à suivre pour le gym, alors qu'on s'approche gentiment de la pause, de la fin de la première mi-temps, une première mi-temps que les Aiglons maîtrisent pour l'instant et dans laquelle ils affichent un super visage. La corner. Corner ne donne rien. Un moment, il y a eu un petit peu de cafouillage. Et non, les Slovaques se sont dégagés. Hassan Kamara à la touche. On l'a joué encore. Centre au cordeau. Centre au cordeau d'Hassan Kamara dégagé en catastrophe par Kruzliak, Dominik Kruzliak, défenseur slovaque. Où il a senti le souffle de Gouiri sur sa nuque. Il a dégagé en catastrophe. Là, le gym termine fort. Ce qu'il terminera comme il a attaqué, c'est-à-dire par deux buts. Ou au moins un. Nous allons le voir. Avec Gouiri, voilà. Gouiri, Claude Maurice sont deux au ballon pour un corner. On va la jouer, Amine. Pour Dante. Une petite combinaison audacieuse tentée là par le gym. Oui. Petite combinaison audacieuse. Conclue par un coup franc en faveur de Dak. Alors Dak, donc basé dans la ville du sud de la Slovaquie, nommé Dunajská Streda. Alors ils ne jouent pas à domicile, ils sont en Autriche, mais ils sont quand même pas si loin, ils sont à 450 km séparent les deux villes. Alors que là, à Kalmar qui cherche de l'extérieur, petit extérieur du pied à destination je crois que c'était Eric Ramirez, mais je ne crois pas. Bref, à destination, voilà, une belle combinaison aussi slovaque. Coupée par une intervention assez prompte
de l'arrière-garde azuréenne. Et là, c'est un bon corner. Alors attention, il faut rester solide. Faut pas conclure cette belle mi-temps en prenant de but. Ça viendrait un peu ternir le bilan. Allez, un bon mouvement offensif à jouer. Ça part, ça va vite. Là, c'est du 1 contre 1. C'est du 1 contre 1, il faut aller le chercher. Bonne couverture. Bonne couverture slovaque. Dommage pour le gym. Alors que là, les Aiglons se remobilisent. Le bloc redescend. Allez, il faut arriver à la pause comme ça, sur ce score de 3-0. Attal pour Schneiderlin. Attal qui va chercher sur une touche de l'autre côté, c'est bien joué. Pour Hassan Kamara, son compère, son vis-à-vis, son alter ego de l'aile gauche. Hassan Kamara arrivé cet été en provenance de Reims et qui fait des très bons débuts avec les Aiglons, que ce soit sur le terrain ou dans le vestiaire. Personnage vivant, bonhomme, bon gars. Et Schneiderlin toujours à la baguette. Une touche, deux touches, à droite, à gauche. Et alors là, il y a un bon dernier coup à jouer. Ziane qui alerte Kamara côté gauche. Ouh. Et c'était Hicham Boudaoui cette fois qui est passé à... On va pas parler de cheveux, qui est passé un petit crampon à quelques centimètres d'inscrire le quatrième but niçois de l'après-midi. Encore une fois, il y a du bon dans ces renversements de jeu, dans ces prises d'initiative. On voit que le gym travaille dans la largeur, cherche à aller à droite, cherche à aller à gauche, prend des relais avec l'axe. Et là, ça s'est achevé encore une fois, ça part de la droite. C'est Kamara qui termine et c'est Boudaoui qui parachève, qui est passé à deux doigts de parachever ce beau mouvement collectif. Dommage, dommage, mais on sent encore, voilà, la maîtrise ne s'estompe pas, ne s'étiole pas, le gym reste bien dans son match, bien concentré. Et Lesmelou qui sent, qui a jeté un œil dans son dos, qui prend, voilà, Dante Schneiderlin. Et là, il y a une accélération, là il y a un bon coup. Voilà. Attal pour Boudaoui. Boudaoui qui déboule côté droit. Et qui joue pour son pote. Et voilà. On l'expliquait. Droite, gauche. Très belle fin. On voit monsieur l'arbitre qui note. Alors il me semble que c'est Miziane qui a été à la conclusion de ce super mouvement. 4-0 à la pause. Miziane qui reste à terre. On espère qu'il va se relever et qu'il va pouvoir rentrer tranquillement au vestiaire. Alors que là, on va retrouver le premier buteur de la partie, Amine Gouiri, pour une petite réaction à la pause. Amine Gouiri, auteur de 45 minutes de très très bonne facture. Bon, Amine, on va pas te garder trop longtemps parce qu'il fait chaud. Comment t'as analysé la première mi-temps là, avec ton premier but, 4 buts mis par l'équipe, c'est bien. Ouais, c'est très bon, on a fait une très bonne entente de match en marquant un but de 5. C'est une bonne, je crois. On a su garder le monopole du match durant toute la première mi-temps. On a réussi à faire le jeu et on a fait plusieurs buts, donc c'est bon. Merci. Toi, ton premier but, ça fait plaisir. Ouais, ça fait très plaisir, j'espère que ce sera le premier de la série. Merci.
Alors on laisse Hamid maintenant regagner le vestiaire, souffler un peu, on va profiter de cette pause de synthèse, de ce petit intermède interlude pour retrouver le Zap Gym qui vous condense la dernière semaine du groupe Rouge et Noir, de la vie du club, de la vie de l'intérieur. On se retrouve après ça. Profitez bien et à tout à l'heure. Incroyable. Voilà, je viens de tomber en plus pile poil avec la nouvelle recrue de l'OGC Nice, monsieur William Gallas, qui reprend du flambeau. Toujours un plaisir de revoir Patrick, parce qu'on a joué quand même pas mal de temps ensemble. On se retrouve tous les trois, on a passé quelques minutes dans son bureau et voilà, on a parlé un peu du bon temps. Et alors c'est quoi les points communs et les différences entre pas de joueur et pas d'entraîneur? Les points communs, la gagne, l'amour du jeu, Pat a le foot dans la peau, dans son ADN. Il se comportait déjà comme un capitaine sur le terrain, donc c'est tout naturellement qu'il s'est prolongé dans sa carrière de coaching, donc je ne suis pas surpris. Déjà en tant que joueur, on sentait qu'il aimait prendre des responsabilités, on sentait que c'était quelqu'un qui aimait commander, parce que voilà, parce qu'il a cette carrure de pouvoir gérer un effectif, et je trouve qu'il fait du très très bon travail. Ah, t'as vu ? Hey, t'as vu ? Ah voilà, c'est décisif au final, ok. Viera sur le côté gauche. Le voici, Patrick Viera. Emmanuel Petit est monté. Il va le mettre. Emmanuel Petit. Oui. Ouais. C'est gagné pour l'équipe de France. Bravo Emmanuel Petit. 3-0. C'est une saison difficile à analyser. On a fait des bons matchs. On a fait des matchs qui étaient moins agréables. Je pense que voilà, cette année, on doit montrer que tout ce qu'on a pu bâtir jusqu'à maintenant va amener à progresser. Et cette équipe doit progresser. On a manqué aussi de concurrence pour tirer l'effectif, pour tirer le groupe vers le haut. Et cette année, ça sera quelque chose de différent. Encore une fois, il y a deux regards. Il y a le regard immédiat, ce qu'on fait au mercato. Et puis il y a le regard plus profond qui est au sein d'un club, qui est ce qu'on veut faire sur les jeunes. On veut vraiment monter le niveau de tous nos jeunes pour pouvoir des jeunes qui soient capables de jouer dans l'équipe première, bien sûr, mais au-delà de ça, d'être compétitif pour jouer l'Europe si besoin, les équipes de France et ainsi de suite. Dante, OGC Nice. Morgan Schneiderlin, OGC Nice. Envie de vibrer à l'Alliance Riviera. Envie de retrouver la famille rouge et noire. Envie de retrouver nos supporters. Envie de téléfoot. Envie de téléfoot. Envie de battre Monaco à la 93e. Envie d'habiter dans la plus belle ville du monde. Envie d'une glace chez Fenocchio. Envie de goûter la soca. Envie de regarder le Zap Gym. Top. Et... Bien joué, Dali. Regardez, vas-y, regarde la caméra. Je regarde pas là. C'est un truc important ce soir, non? Oui, c'est important. C'est un bon match et on espère que bon, on va être qualifié en Europa League. Ouais, pour Paris alors on est. Oui. Mais ça va ou quoi? Ça va et toi? Bien ou quoi? Quand je vais la voir, je prends ma meilleure voix. Bien ou quoi? T'habites dans le coin ou quoi? On va être pour Paris ce soir. J'espère qu'ils vont faire le travail. Merci, au revoir. Tu vas conduire, Dante? Moi?
Je vais les donner un coup de main. Je les connais depuis longtemps, donc je vais les aider un petit peu. Quoi. Bon, à reconnaître la ville. Et Denis Banga, tout proche, d'ouvrir le soir ici au Stade de France. Et Neymar qui vient d'inscrire son 19e but de la saison. La parade incroyable. Magnifique. Attends, tu veux qu'on la refasse au ralenti? La transmission ratée de façon intérieure. Voici le but de Di Maria. Moi le tour. On a cherché la verticalité. Séché la barre, Loïc Bernard, il y aura un peu de cartons. Ouais, il est sale. Il y a rouge là. Ah, il lui a fait quelque chose. Et triste sortie pour Loïc Perrin, expulsé. À la demi-heure de jeu par Amaury Delerue. Ouais, c'est terrible. C'est terrible. Ah, c'était dommage parce que c'était bien. C'était bien, c'était. C'est tellement bon. Mais son geste n'est pas maîtrisé. Miller. Oh, bah, mais européen. Encore terminé. Là, c'est bien, il faut qu'il mette 2-0 et après tranquille. Hein, hein, je suis tranquille. Hein, tranquille. Yo, t'as plaît? Oh, oui, là. 11h du soir, on va tous s'appeler, Pestin, on va faire un zoom. Félicitations, les gars. Je pense, deuxième mi-temps, il met Neymar deuxième but et c'est bon. Alors, on est bon. Coupe d'Europe. Allez, bravo. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, Cham. À demain. Ça va. Ouais, mais attends, regarde qui a fait. Ouais, mais oui, t'es encore là ou quoi? T'es content, Cardi? Très content. Bravo. Satisfaction, satisfaction. Soulagement. C'est un beau match? C'était un très beau match. Et bravo à Saint-Etienne pour avoir fait une aussi belle prestation à 10. Je pense que c'est une récompense du travail qui a été accompli ces dernières années. Une récompense pour les supporters qui ont toujours été derrière les joueurs. Et une récompense pour les joueurs par rapport à ce qu'ils ont fourni cette saison. Sexy and I know it. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. I like diamonds, I like stunning, I like shining, I like million dollar deals. I just wanna shake, 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 shake. I shake it up, I shake it up. À chaque fois que je viens dans cette stade, ça me fait rappeler des très, très bons moments, des moments que j'ai passés ici dans ce stade. Je me rappelle très bien les titres qu'on a gagnés. Et sans souci, Casper. Alors qu'il y a une occasion, mais Trouillet justement pour Dolberg. Trouillet,
qui décale intelligemment Camara. La frappe, ouh, la lourde frappe d'Hassan Camara. C'est parfait, c'est joli. C'est dans le petit filet, ça fait 2-1 pour le gym. Quel but! Le premier sous le maillot niçois pour Hassan Camara. J'essaie de faire de mon maximum. Là, aujourd'hui, je suis content, ça m'a souri, j'ai marqué. Mais ça profite à l'équipe et à moi en même temps, donc c'est bénéfique. Comme on dit, si chacun balade devant sa porte, le quartier sera propre. Donc il faut que chaque joueur soit performant. On avance, c'est bien, on avance dans le jeu, là on a fait une victoire, il faut continuer comme ça et c'est bien parce qu'on a eu des bonnes nouvelles, donc c'est encourageant pour la suite. Quel genre de bonnes nouvelles? Ben, la nouvelle de la Coupe d'Europe, c'est sûr que ça fait plaisir à tout le monde. On est très content de faire la Coupe d'Europe, c'est très important pour le club, c'est très important pour tous les joueurs et on va essayer de faire très bonne figure. C'est pour ces moments-là qu'on fait du football, donc ça nous ramène de la compétition et on est heureux. On ne va pas faire figure de... juste de présentation, on va essayer de gagner les matchs et d'avancer dans cette Coupe d'Europe aussi. Bravo, Salissa. Bravo, bravo. Merci. Qu'est-ce que tu veux, toi? Non, fais pas le fou. Fais pas le fou. Entre le gym et Dak, alors le gym mène 4-0 à la pause après une première mi-temps maîtrisée en long, en large et à peu près de tous les côtés. On va rappeler les buteurs rapidement. C'est Amine Gouiri qui a démarré en pointe, qui a lancé la rencontre de la meilleure des manières grâce à un but dès la première minute de jeu, une très belle combinaison, une prise de profondeur, appui, prise de profondeur, sans froid. Amine Gouiri a été suivi par Miziane dès la troisième minute. Miziane qui s'est offert un doublé juste avant la pause. En ayant pris une petite boîte au passage, on espère que ça va aller. Et à la 34e minute, c'est Claude Maurice qui a inscrit son premier but de la prépa. Le gym, voilà, on va pas s'emballer, c'est un match amical, le gym mène. Et en tout cas, on peut louer, on peut saluer cette prestation, cette période. Puis on va pas bouder notre plaisir. Allez, Benitez, ils ont les troupes à rester sérieuses. Et c'est reparti. Là, ce sont les adversaires des Aiglons, les joueurs de Bernd Stork, ancien sélectionneur de l'équipe de Hongrie pour l'Euro 2016, une équipe qui avait affiché un très beau visage au championnat d'Europe. Ben, Bernd Stork, depuis cet été, c'est le coach de Dak. Dak qui veut repartir, on les voit, ils sont tous sur la même ligne. Manda, c'est parti. Kalmar donne le coup d'envoi. Allez, il faut garder ce sérieux, cette envie. Et cette envie d'aller vers l'avant. L'avant aussi, l'avant. Allez, c'est reparti. A priori, pas de changement ni d'un côté ni de l'autre. Les 22 acteurs
qui ont achevé le premier acte entament le second. Et on voit que ce sont les Aiglons qui tiennent le cuir. Schneiderlin pour Attal. Et voilà, quand une fois qu'on a trouvé, qu'on est sorti de ce premier coup, de ce premier pressing là, il y a encore des bons coups à jouer. Et là c'est Attal qui déboule et qui oblige le numéro 32, Yannick Muller, à revenir et à défendre un peu en catastrophe. Encore une fois, on voit que le schéma se répète du côté des Aiglons. Un peu de largeur pour étirer le bloc adverse, du jeu dans les petits espaces pour les prendre à rebours. Et une fois qu'on s'est sorti de la première vague, beaucoup de vitesse dans les offensives. Ça a marché en première période, ça commence à fonctionner également en seconde. Et voilà, alors qu'un bon corner. Je crois que c'est Morgan Schneiderlin qui était venu mettre son pied sur le corner de Gouiri. Et voilà, ils cherchent à repartir. Petit, Dak. Et ils se mettent en difficulté. Ils obligent le gardien à allonger, à envoyer une grande quille. Et le gym, il est reparti en seconde période du même pied. Voilà, vous pouvez voir ces lignes bien, bien distinctes. Et voilà, compliqué. Le gardien qui se... Alors, les Slovaques, là, ils cherchent. Je serais tenté de dire qu'ils tentent de le bâton pour se faire battre. Les Slovaques, ils cherchent à repartir petit derrière. Les Aiglons pressent ensemble. Du coup, ils se mettent en difficulté. Ils ont failli être sanctionnés, mais là, pour le coup, ils s'en sont bien sortis. Là, ils s'orientent vers l'avant. Attention, ils jouent un peu avec le feu. Même si on rappelle l'intérêt, l'enjeu en tout cas de cette rencontre est limité, hein. C'est une rencontre amicale, évidemment c'est l'objectif, c'est de procéder en tout cas pour Dak au dernier réglage avant la reprise du championnat qui s'effectuera la semaine prochaine. Mais attention sur ces phases de ressortie de ballon. Et voilà, de son côté le gym fait preuve d'application. Et voilà, la droite, ça part de Schneiderlin vers la droite, là, c'est le côté gauche. Une touche, deux touches, une touche. On parlait de rapidité, de vélocité dans les échanges. C'est encore d'actualité. La personne cherche à se régaler, là, c'est bien. Ça circule bien. Alors avec Cyclone Maurice a manqué d'un zeste de précision sur sa prise de balle. Du coup, ce qui a annihilé le mouvement offensif, il avait été alerté par Dante. Mais là, du coup, c'est pas grave. Le gym récupère et repart à l'attaque. Hassan Camara sur le côté gauche. Centre fort dégagé par une jambe bleue, jaune et bleue. Hassan Camara, il les aime ces situations où il a un peu d'espace sur son couloir, où il a beaucoup de tonus dans les jambes et où il frappe fort. Il fouette son ballon de son pied gauche. On sait qu'il a été formé plus haut et qu'il a démarré plus haut en pro du côté de Châteauroux. Mais après, bon, il s'est révélé à Reims comme l'une des valeurs sûres de la Ligue 1 au poste de latéral. Nouveau corner pour le gym. Il me semble que c'était encore Morgan Schneiderlin qui était venu pour essayer de mettre sa tête, de corser un petit peu l'addition. Et voilà, peut-être il a été un peu échaudé. Jedieka, il se tente pas de repartir, il fait bien ressortir tout le monde. Et après il se donne un peu d'air, voilà, il a peut-être été un peu échaudé, on va dire, par le bon pressing azuréen. Il a subi quelques instants, quelques minutes plutôt.
Là ça ressort, voilà. Allez, beaucoup de vitesse là encore une fois. Amine Gouiri. Ah, le ballon il lui est un petit peu resté dans les pieds sur son crochet à Amine. Dommage, parce qu'encore une fois, là il était dans la surface, il a repiqué sur son extérieur, il voulait rentrer sur son droit pour allumer le portier slovaque. Et alors là, attention, ça continue. C'est bloqué dans l'axe, on cherche à pénétrer par les côtés. Un peu long, le centre de Youssef Attal, mais on se posait la question. On se demandait comment les Aiglons allaient ressortir des vestiaires après avoir dominé de la tête et des épaules les 45 premières minutes. Ben voilà, en ce début de seconde période, on a la réponse. Avec le même esprit, les mêmes idées et la même envie. Ce qui est positif. Pas de. Pour l'instant, les Slovaques. Après que la rencontre se déroule en Autriche, mais que Dak est un club slovaque, troisième de du dernier championnat, demi-finaliste de la Coupe de Slovaquie. On voit peut-être que les Slovaques sont un peu usés par la circulation du ballon rouge et noir, par le pressing qu'ils font souvent à blanc, à vide. Et du coup forcément quand on court une fois, deux fois, trois fois et qu'on n'attrape pas le ballon à un moment, plus que les jambes, c'est la tête qui manque un peu de fraîcheur. Mais là on voit voilà, le gym appuie, continue, ne s'affole pas. Travaille, va d'un côté, va de l'autre, prend son temps. Claude Maurice, voilà Claude Maurice qu'on voyait à droite au début de lors du premier acte, qui a pris désormais le côté gauche. Alors bon voilà, on va parler de position défensive, après on sait que les offensifs ont beaucoup de liberté du côté des Aiglons, il y a beaucoup de liberté, voilà, ils jouent les uns par rapport aux autres, on sait que Claude Maurice voilà, il part à gauche mais il aime rentrer dans l'axe, il aime l'axe, et là c'est reparti, encore une fois, bonne circulation de balle, Youssef Attal côté droit, qui va travailler, qui passe sur un grand pont, Youssef Attal, bravo Youssef. Et bravo Alexis Claude Maurice pour le cinquième but rouge et noir. Un cinquième but qui fait suite à un superbe mouvement collectif. Encore une fois, on peut souligner l'utilisation de la largeur, la juste temporisation. Bon après Youssef, voilà, là il nous a offert un grand pont dont il a le secret. Il a mis du tonus, il a été le chercher et on sait qu'il est agressif, à la fois technique et agressif, que ce soit dans la zone défensive ou quand il attaque. Donc il a été se faire un petit exploit devant, avant de servir sur un plateau, de délivrer une offrande à Alexis Claude Maurice qui inscrit son deuxième but de la rencontre, son deuxième but de la préparation. C'est bien, bravo. Alors, on parlait de Miziane, auteur d'un doublé. Diane est sortie à la pause. Et alors là on vient de voir une action incroyable. Yann est sorti à la pause, il a cédé sa place, si je ne m'abuse, à Pedro Brazao. Alors là on vient de voir une action incroyable sur le centre pour la remise en jeu de Dak. Dak a frappé direct et le ballon s'est achevé sa course sur la barre de Walter Benitez. Alors bon, ça on sait que c'est des actions qui peuvent arriver de temps en temps en district, voire en région, moins au niveau pro. Voilà, cette tendance s'est avérée un peu fausse, voilà, le centre, ils ont essayé de frapper direct et ça a failli fonctionner. Alors quand même ça aurait été un peu malheureux pour ce bon Walter Benitez, qui n'a pas eu grand chose à faire durant les 45 premières minutes, qui a eu aussi une petite parade sur laquelle il s'est appliqué et il a pu faire l'étalage de ses qualités, mais sinon pas grand chose à se mettre sous la dent. Et tant mieux hein, pour le Roc argentin.
dont la tâche s'est résumée essentiellement durant ces 55 premières minutes, à diriger, à donner de la voix, à replacer, à recadrer. Le boss c'est lui, le chef c'est lui. Pour vous dire qu'en plus autant il a une voix. C'est un personnage très sympathique, très agréable, autant quand il crie, il fait un peu ours, donc pas grand monde qui moufte. Et c'est reparti à l'attaque. Alors là, plus qu'un coup de marteau, ils en ont pris deux les Slovaques, là c'est compliqué. Quand il y en a cinq dans la besace comme ça, c'est compliqué de rester mobilisé, surtout sur un amical. Camara pour Schneiderlin. Les Melou. Bon, alors on sait que Morgan Schneiderlin, il a été pris pour avoir un rôle de leader. Alors attention, Camara. Et ça ressort. Je disais que Morgan Schneiderlin, il a été recruté pour avoir un rôle de leader. Un leader dans le vestiaire au niveau de l'expérience, mais un leader aussi sur le terrain. Alors là, il semble en tout cas, sur ses premières apparitions, que le costume soit fait pour lui, soit taillé sur mesure. Là, on voit que Morgan fait plus que le job. Il permet à tout le groupe voilà, d'être équilibré, il assure une forme d'équilibre, il assure aussi beaucoup de sécurité dans les transmissions. Étonnant, on sait qu'il a une expérience XXL. Il a roulé sa bosse en Angleterre où il était l'un des meilleurs milieux de Premier League. Et qui évidemment, ses performances l'ont conduit en équipe de France. Allez, c'est reparti. Ça continue, le jeu continue, les aiglons continuent à faire tourner. Youssef Attal. Avec un relais axe. Le ballon n'est pas sorti. Ça y est. Là, il ressort de l'axe. Il ressort du côté droit. Il va falloir aller chercher de l'autre côté maintenant parce que la solution s'y trouve assurément. Voilà, c'est dans l'axe. Claude Maurice, voilà, on arrive de l'autre côté. Les Melou. Camara qui arrive vite. Ah, Pierre Melou qui s'est servi de l'appel d'Hassan Camara. De l'appel tonique de l'ancien Rémois. S'en est servi de l'appel pour se dégager un peu l'axe. Malheureusement, son petit enroulé a buté sur un adversaire. Bon. Alors là, le gym, il y a un bon coup franc. On voit qu'Amine Gouiri se dirige vers le ballon. Il y a un bon coup franc à jouer pour le gym. On a l'habitude de dire à tous les étages que même quand le score est large, il faut continuer à jouer, il faut continuer à jouer pour marquer. Car avant toute chose, c'est une forme de respect pour l'adversaire. Et en ce moment, on peut dire que le gym respecte Dak. Parce qu'on sent que les Slovaques ont un peu la tête dans le guidon, mais le gym cherche à marquer, cherche à pousser, cherche à appuyer, cherche à trouver des certitudes aussi. On est en préparation. Et le coup franc d'Agmin Gouiri qui ne trouve personne. Alors qu'on approche gentiment de l'heure de jeu et que du mouvement se prépare sur le banc niçois. On a notamment vu Kefren, on voit nettement Kefren Thuram qui après une bonne préparation a souffert d'une petite contracture aux ischios. Il va bientôt avoir du temps de jeu pour se remettre en selle, Kefren. Premier buteur de l'avant-saison face à Saint-Etienne, hein, si on doit le rappeler. Mais ça va bouger. Alors là, attention, le Dak se sort très bien de l'étreinte niçoise. Eh, Bambou, il aime ça. Hein. Robson Bambou aime le duel, que l'on se le dise. Voilà. En plus, il a une faculté d'accélération assez intéressante sur les premiers mètres. Il aime ça, il aime être au contact. Alors que là, Davis, attention,
Non, ça c'est fermé, ça c'est fermé. Pour une fois, le gym défend en équipe. Et ne laisse que des miettes, attention. Attention, il y a un bon mouvement là aussi, il y a beaucoup de vitesse. Smelou au cœur du jeu. Schneiderlin qui a jeté un petit coup d'œil derrière lui, qui remet Dante pour Camara. Alors là il y a un débordement à faire, il va le prendre évidemment, il rentre sur son pied gauche, non il rentre dans l'axe. Il rentre dans l'axe, c'est fermé, ça ressort, Schneiderlin une touche, deux touches, ça part de l'autre côté. Bon, c'est une très bonne aussi, une très bonne séance de travail hein, pour les Aiglons. Face à un adversaire, une séance de travail grandeur nature, parce qu'on rappelle que c'est un match amical et que l'objectif c'est d'être au top pour le week-end du 23 août où les Aiglons reprendront du service en Ligue 1 après leur 5ème place de l'an passé. Ils reprendront du service face au Racing Club de Lens, les 100 et or. Donc l'objectif c'est d'être prêt pour ce grand rendez-vous, Arcola. Youssef Attal, encore une fois Youssef Attal offensif, qui déborde, qui va chercher, qui va provoquer. Et alors que son vis-à-vis l'attend en vitesse, il sert Pierre Lesmelou à l'entrée des 16m50. Et Pierre malheureusement n'a pas réussi à se coucher suffisamment sur la balle. Et le ballon a terminé sa course dans la tribune vide du stade de Grodig. Je parlais de la reprise de la Ligue 1. Alors la reprise de la Ligue 1 qui se fera le week-end du 23 août pour les Aiglons à l'Allianz Riviera. Alors en fonction de la situation sanitaire, évidemment, on connaîtra le nombre de supporters autorisés. Et là on sait que le pays, l'Europe, voire le monde vient de traverser une période très compliquée à cause du Covid, donc soyez sûr que, en tout cas, l'OGC Nice fait le maximum pour que les supporters puissent vivre et profiter et être derrière le club dans les meilleures conditions à la reprise. Alors que là, ça bouge. L'heure de jeu est passée, on atteint bientôt la 65e minute. Patrick Vieira procède à ses premiers changements. Le premier changement, il a été à la pause. Bravo pour Mizian. Ces autres changements, il apporte un peu de sang frais sur cette pelouse chaude. Allez, ça repart pour les Aiglons. Alors que Khéphren Thuram fait son apparition. Succède, je crois, à Morgan Schneiderlin. Alors il me semble que c'est Eddy Sylvestre également qui fait son apparition au cœur du jeu. Cœur du jeu où Hicham Boudaoui lui tient son poste, tient son rang. Schneiderlin, Lesmelou out. Sylvestre, Thuram in. Si on veut faire un peu dans l'international. Mais en tout cas, voilà, c'est les deux changements. Il y a du 109 côté niçois. Et voilà, Khéphren qui alerte directement. Ben voilà.
pour Sylvestre. Eddy qui accélère, qui trouve l'axe. Ah, Brazao qui manque un peu, il a manqué de tonus. Il était attendu dans l'axe, il est arrivé dans l'axe. Il a été pris par son vis-à-vis. Alors que sur le coup qui a suivi, l'action s'est poursuivie. Un beau centre de Youssef Attal déposé sur la tête d'Alexis Claude Maurice. Alors bon, on sait que Claude Maurice, c'est pas son arme principale, la tête. Et là, peut-être que il n'est pas parvenu, il a pas réussi. Peut-être qu'il a été gêné par le soleil. Il a pas réussi à se matcher convenablement sa tête dans le cadre. Alors que là, on peut aussi s'apercevoir Flavius Daniluk, le régional de l'étape, si l'on peut dire, hein, l'Autrichien, arrivé cet été sur la Côte d'Azur, qui se prépare. L'arbitre fait le signe, Moulinette. Il y a eu aussi beaucoup de changements aussi côté slovaque. Hein. On rappelle que c'est l'ultime galop d'essai de Dak avant la reprise de son championnat. Alors on voit l'Allemand Bernd Storck qui donne ses consignes à un autre Allemand, Sidney Friede. Le coach doit sûrement dire qu'il faut continuer. Ah, alors attention, la situation, il faut continuer à aller d'avant et essayer de se refaire en cette fin de match. Kalmar au coup franc, on sait qu'il en a mis un magnifique face à l'OM la semaine dernière. Il s'est pris quoi, 5-6 pas d'élan, Kalmar. Eh ben, c'est un coup franc dangereux aussi sur lequel Benitez plonge bien, s'allonge bien. Mais il a un beau pied ce Kalmar. Bientôt 70 minutes de jeu. Et c'est une pause fraîcheur pour les 22 acteurs. Qu'ils aient démarré la rencontre ou qu'ils viennent seulement d'entrer en jeu, tous sont invités à bien s'hydrater. On sait que c'est important, hein, le staff rouge et noir met l'accent sur tout le travail invisible. Tout ce qui ne se voit pas quand on est de l'extérieur. Mais tout ce qui est capital dans l'hygiène de vie et dans la préparation de sportifs de haut niveau. Et là, il faut bien boire, il fait chaud, il faut boire beaucoup d'eau. On voit que le coach Vira aussi profite pour réunir son groupe autour de lui et délivrer ses consignes. Alors cette petite pause nous permet aussi de revenir sur les absents côté du gym, parce qu'il y a des absents. Alors on sait que tout le monde est... Le coach est parti avec une délégation assez large en Autriche pour que tout le monde puisse travailler, y compris certains blessés. Alors, Alexis Trouillet, Casper Dolberg. Il est touché aux adducteurs, Alexis Trouillet à la cuisse. Donc ils sont du voyage, mais ils sont pas aptes pour cette rencontre de Dak. Patrick Burner, on se souvient qu'en début de préparation, il avait été touché à la cheville. Il s'est remis, il devrait reprendre l'entraînement collectif la semaine prochaine. Danilo, c'est pas encore pour tout de suite. Il est touché au genou, mais il est également, il fait partie de l'aventure autrichienne pour être en soin. Et Ronny Lopez rejoindra le groupe. On rappelle qu'il n'a pas pu être du voyage là tout de suite en raison d'un problème familial, mais il rejoindra bientôt le groupe en Autriche. Alors qu'on voit également qu'il y a eu un petit peu d'arrosage déclenché. Reddy Sylvestre, disponible au cœur du jeu, prêté la saison dernière à la JOCR, Eddy est revenu cet été sur la Côte d'Azur, dans le club où il a terminé sa formation et où il a débuté en professionnel. Danté pour Kefren, Thuram, qui allonge sur du jeu direct. Attention.
Alors que là, on dans les dernières 20 minutes, voilà, il reste 20 grosses minutes. On sent qu'il y a moins peut-être d'intensité de part et d'autre. On rappelle, le gym mène 5-0 grâce à des buts d'Amin Gouiri, de Miziane et d'Alexis Claude Maurice. Un doublé de Miziane et un doublé d'Alexis Claude Maurice. Avec Efren Thuram qui va chasser, pareil, voilà, il vient de rentrer en jeu, il a du peps, du tonus. Et il va chasser bien haut. Alors il y a un bon mouvement des Slovaques. Des Slovaques qui ont attaqué en nombre, qui s'est achevé par une frappe qui manquait un peu de puissance, qui était un peu tendre. Pas de souci pour Benitez qui relance vite. Alors sur sa relance vite, il y avait deux solutions. Soit l'exploiter et la jouer à bloc, soit temporiser et attaquer d'une manière placée. Les Aiglons ont choisi la seconde option, ce qui fonctionne. Sylvestre qui quitte le milieu pour le côté gauche. Et qui délivre un ballon malicieux à Amin Gouiri. Amin qui n'a pas réussi à s'offrir un doublé. Alors là, il y a eu un bon caramel dans l'entrejeu d'Hicham Boudaoui, qui avec beaucoup de respect a été s'excuser. On parlait de sérieux même dans un contexte amical, dans un contexte de préparation. Mettre le pied, c'est aussi une preuve de respect et de sérieux. Alors que voilà, là, Robson Bambou et Hicham Boudaoui cèdent leur place à Flavius Daniliuk et Jean-Victor Makengo. Donc on disait, oui, le respect, c'est aussi mettre le pied. Est-ce qu'Hicham Boudaoui fait? Est-ce qu'il a fait d'ailleurs? C'était la dernière chose qu'il a faite dans ce match avant de sortir. Et Dak repart. Ouais, bon mouvement, bon relais. Et bonne frappe. Les Slovaques, ils n'acceptent pas là, voilà, il reste un quart d'heure, ils n'acceptent pas d'être dominés et d'être menés 5-0. Ils se rebiffent, ils veulent marquer. Là, ça fait deux ou trois parades que Walter Benitez enchaîne. C'est bien, le gym travaille, le travail passe par là. Alors on ne peut que se réjouir. Les Slovaques, voilà, mènent de l'énergie dans ces dernières minutes. Là, ça repart en attaque rapide. Il y a eu beaucoup de turnover aussi, hein, effectué par Bernd Stork. Et voilà, à la suite d'un pressing go, ça allonge. Et c'est Dante, le capitaine, qui s'impose. Mais attention là. Tac, se montre dangereux. Ah, Kefren Thuram, bien joué. Elle est rentrée avec de la vitalité aussi, Kefren Thuram. Sentait qu'il avait peut-être un peu de fourmi dans les jambes. Lui qui a été un peu freiné, on le rappelle, par une contracture aux ischios au cœur de la prépa. Mais le voilà de retour, et bien de retour. Dans un registre qu'on le connaît. Dans un registre qui lui est familier de récupération et d'application. Voilà Dante. Alors qu'il y a un nouveau changement normalement qui se prépare. Youssef Attal ne devrait pas tarder à laisser sa place à Andy Pelmar. Attention, là il y a moins de précision du côté rouge et noir. Dante qui s'est sacrifié pour contrer la frappe. Les Slovaques à l'attaque. Oh, bien joué dans la surface.
Le gym est un peu secoué dans ce dernier quart d'heure, hein. On sent que désormais il faut voilà se font un baroud d'honneur. Les joueurs de la ville du Nashka Streda, ils ne veulent pas abdiquer sans avoir fait trembler les filets de Benitez. Charge au gym maintenant de conclure la rencontre avec le but vierge, la marque vierge, le but préservé. Alors là, on parlait de Flavius Daniluk, autrichien. Il est passé par le centre du Real, il a été formé au Bayern, il est arrivé cet été. Ils peuvent parler, et bon, il est déjà polyglotte. Il peut parler en allemand avec Dante, qui lui aussi, on le rappelle, fut un illustre joueur du Bayern Munich. Et alors, les supporters du gym, peut-être que l'Autriche vous rappelle quelques bons souvenirs. On se rappelle qu'il y a quelques années, en 2015, les Aiglons y avaient fait un stage de préparation, pareil, le deuxième stage de leur été. Cela avait porté bonheur, hein, parce que ils avaient derrière réalisé une superbe saison et qu'ils avaient bouclé à la quatrième place. Et donc cette belle saison s'était lancée à Divonne et en Autriche. Alors que là, le capitaine international hongrois Kalmar cède sa place. Le 11 jaune a été quasiment renouvelé dans son intégralité. Alors on voit Amin Gouiri aussi qui se situe plutôt à gauche, du moins sur cette phase-là de récupération. Et bon ballon récupéré, bon pressing. Donc la température ne baisse pas à Grodzig, où il fait très très chaud et où les montagnes, au lieu d'amener un petit vent de fraîcheur, font office de cuve. Ouais, c'est une cuvette, il fait chaud, très chaud. Alors que là on a la donne se confirme. Ça fait 5-10 minutes que Dak attaque. Alors le gym tient encore avec application, on voit encore une fois la volonté pour les Aiglons de tous défendre derrière le ballon au maximum, les lignes sont serrées. Le gym ne veut pas prendre de but, et le gym a bien raison. Et voilà, ça repart bas avec Benitez, petits espaces. Et voilà, Minguri qui rentre de la gauche vers l'axe, qui combine avec Eddy Sylvestre. Beaucoup de personnalité dans le jeu, Amin Gouiri. Hein. On se répète, mais là, il fait 75 minutes très très bonnes. Que ce soit dans son jeu avec ballon, il a marqué évidemment, ou dans les solutions qu'il apporte également sans. On le voit constamment en mouvement. Alors que là, attention, centre, bien joué Dante. Ah, le capitaine qui tacle avec autorité. Et qui dégage son camp. Ah, on voit Dante, les 80 minutes, il reste 10 minutes. La préparation, voilà, c'est. On rappelle que tout le monde est encore en phase de préparation. Et qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail dans les jambes de tous les acteurs de la rencontre. Corner joué à 2 de Zvek. Et le ballon qui revient à Zvek. Et qui va travailler, c'est du 2 contre 2. Ah, il arrive, il est un peu arrêté. S'arrache bien pour centrer. Et c'est dégagé par Andy Pelmar, rentré dans le côté droit. Jusqu'à présent, depuis le début de la préparation, Andy, on l'avait vu dans l'axe, essentiellement, uniquement. On rappelle qu'il est polyvalent, qu'il peut être aligné à droite. On rappelle aussi qu'il peut être aligné dans le couloir gauche. En Ligue 1, en tout cas, il a joué tous les postes de la base défensive, alors que là un Aiglon reste à terre. Donc c'est Jean-Victor Makengo. Non, autant pour moi c'est le jeune Brazao.
qui se relève, il a dû prendre un petit tampon, là il se relève. Le voilà, Makengo avec le ballon au cœur du jeu avec son pied gauche. Il reste solide. Il la lâche à Dante. Sylvestre. Wiri. Voilà Makengo qui donne de la largeur, qui renverse. Brazao qui rentre sur son gauche. Brazao encore. Et Brazao qui manque un petit peu de justesse dans sa dernière transmission, dans son relais, dans le relais qu'il a cherché. Et derrière, voilà, ça défend bien. Alors Eddy Sylvestre, il s'est mis au diapason. Hein. Il a vu Carles Melou en première période. Hassan Camara, il a gardé sa place. Il a un nouveau relayeur devant lui et il va bien fermer Eddy. On sait qu'il est très généreux, il aime avoir le ballon, il aime le toucher. Lui qui a des petits appuis et qui a un superbe pied. Voilà, il est rentré, il est au diapason des autres, il défend. Et voilà Claude Maurice qui finit dans l'axe, il va encore presser. Le gardien qui se loupe, là c'est Goury qui part au duel. Amine Gouiri, qu'est-ce qu'il a fait? Quel but d'Amine Gouiri! Alors il faudra revoir les images. Doublé d'Amine Gouiri. Il faudra revoir les images pour voir ce qu'il a fait, si c'est un contre ou si c'est une petite friandise technique. Mais Amine Gouiri inscrit le 6e but de l'OGC Nice face à Dak. Il a récupéré le ballon, il s'est orienté directement vers le but. Et on a vu dès sa prise de balle qu'il allait chercher le duel et le but. 6-0, 83e minute. Le gym mène 6-0 dans son 6e match de préparation de l'été face aux Slovaques de Dak, on le rappelle. Alors plus que le résultat encore une fois. Faut pas oublier la dimension amicale, mais en tout cas, on ne peut que se réjouir de voir les Aiglons monter en régime comme ça. Et garder surtout cette volonté d'aller vers l'avant et cette application. Donc c'est très bien, il reste 10 petites minutes. Et on rappelle, on sait qu'il faut attaquer, mais on sait aussi que c'est important de défendre. Donc là, c'est important de ne pas prendre de but. Pour que la copie de la journée soit plus que bonne. Camara. Gouiri. L'axe pour JV, Makengo. Ah là, les Slovaques, pareil, ils ont pris un but alors qu'ils étaient en train de pousser un peu. Du coup, les jambes vont tirer un peu plus en cette fin de rencontre. Brazao qui va travailler sur son côté, qui pousse un peu trop le ballon. Ah, beaucoup de bonne volonté, Brazao. Mais encore peut-être un petit peu de... Il faut un peu plus peut-être de justesse dans ses dernières décisions, dans son dernier geste. Mais en tout cas, il est rentré avec beaucoup d'envie. Le gardien, voilà, demande. Jedlika demande aux troupes de sortir en avant. Ah, bien joué Makengo. Qui bute une jambe adverse. Et alors là, c'est Dak qui se montre dangereux côté droit. Mais voilà encore. On rappelle que les acteurs sont en préparation. Il manque un peu de justesse là dans le dernier geste, dans le dernier centre. Reste 5 minutes en Autriche. Le gym débute du bon pied, du très bon pied, son deuxième stage de préparation de l'avant-saison. Alors qu'on entend Benitez, voilà, qui ne veut pas prendre de but. Corner, botté par Zvek, le Slovaque. Il ne passe pas le premier poteau. Mais bon, il aura une deuxième chance. Zvek, il a tenté. Allez là, attention, ça joue à deux. Mais pareil,
Ça joue à deux après un relais. Il tente de centrer fort au premier poteau, mais son ballon, heureusement pour Nice, manque de hauteur et de précision. Donc du coup, d'un grand coup de sabot, l'arrière-garde niçoise s'est dégagée dans un ballon qui est même sorti du stade. Ce qui permet à tout le monde de souffler. Non, c'est long. Là, c'est Flavius, Dani Luc. Qui gère, qui a une bonne gestion de la profondeur. Il a mis son corps. Son adversaire n'a même pas. Bon, il n'y a même pas cru, donc du coup. Il n'y est pas allé. Vitesse. Si on l'a pas joué avec le feu, il y a le pressing sur Eddy Sylvestre. Ah, bonne orientation de Claude Maurice. Venu en bas, qui récupère. Kélert Gouiri. Et qui a voulu lui remettre Amine Gouiri d'un subtil extérieur du droit. Intercepté, ou du moins dégagé par Dak. Non, ils y sont plus. Les adversaires des Aiglons, là on voit que après avoir poussé sans succès, ils ont un peu baissé les bras. Qui se comprend. Alors, est-ce que le gym va tenter de mettre une dernière accélération dans les dernières minutes? En tout cas, on voit que le gym continue de se projeter vers l'avant, essaye d'attaquer encore à Camara. Il a encore du gaz, il a encore du jus. Gouiri rentre dans l'axe, passement de jambes. Ouais, ça c'est intéressant aussi. Amine Gouiri qui arrive pas, qui est pas passé, qui a buté et qui s'est levé pour aller imposer un pressing à la 90e minute d'un match amical. Ça, ce sont des bons signes, ce sont des signes encourageants, ce sont des signes d'une belle et grosse détermination. Reddy Sylvestre au cœur du jeu. Les Aiglons, voilà. Conserve. Cela donne, cela font tourner. Et on voit que Dick, par contre. Et ils mettent encore un peu d'impact, hein, évidemment. Dès qu'on la garde un petit peu trop, les chevilles sifflent. Alors même si c'est un amical, on imagine que le troisième du dernier championnat de Slovaquie n'aime pas en prendre 6. Donc voilà. Ça impose aussi une certaine discipline à tout le monde. Makengo. Qui rentre sur son gauche. Kellert Claude Maurice. Bien fermé de la part du latéral. Alors qu'il reste 30 secondes dans le temps réglementaire. Et que le gym se dirige vers sa deuxième victoire de la prépa. Amine Gouiri. Pas cette fois, il n'y aura pas de triplé pour Amine Gouiri. Du moins pas cet après-midi. Pas encore. Pelmar au duel. Bien fermé par Kefren Turam. Voilà, ces prises à deux. Elles sont importantes aussi. Et voilà, c'est fini en Autriche. Le gym s'est imposé 6-0 face à Dak dans le cadre de son sixième match de préparation. Alors là, les Aiglons, très vite mis sur la voie par deux buts dans les premières minutes, ont livré une très bonne copie, une très bonne séance de travail avec un bon esprit. On rappelle les buteurs
qui ont tout fait en double parce que Alexis Claude Maurice, Amine Gouiri, Miziane ont inscrit chacun deux réalisations. Désormais, le stage autrichien peut commencer, la préparation se poursuit. Avant de vous quitter, on va aussi remercier les équipes de football ski qui sont toujours très à l'aise et très bien pour nous donner des informations sur les équipes de l'Est, spécialistes du football de l'Est. On va aussi renouveler nos condoléances et adresser toutes nos pensées à la famille de Dominique Olagnier qui nous a quittés hier et à qui les Aiglons et à qui tous les Niçois ont pensé très fort cet après-midi. Ça a été un plaisir de vivre cette rencontre avec vous. On se donne rendez-vous samedi prochain pour un gros test. Voilà, un gros test pour le gym qui affrontera le Red Bull Salzbourg. Une vieille connaissance que les Aiglons avaient croisée il y a quelques années en Europa League. On vous souhaite à tous une très bonne fin d'après-midi. A bientôt et Issa Nissa.